Merci beaucoup de nous avoir prêté main. Merci à tous. Nous passons donc maintenant à la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, 10 députés différents ont demandé à la Première ministre si elle faisait confiance à son ministre de la Santé. Et ils lui ont demandé si elle avait l'intention de congédier ce ministre. Et malgré la fréquence de ces questions et les compressions auxquelles procède ce ministre dans le secteur des soins de santé, la Première ministre a refusé de répondre à cette question. Et donc, cela signifie que la Première ministre est d'accord avec ces compressions, n'est-ce pas? Si elle n'était pas d'accord avec ces compressions, eh bien, elle congédierait son ministre. Alors, voici une question très claire. Est-ce que le ministre de la Santé va conserver son emploi et est-ce que la Première ministre lui fait confiance? Bon, j'essaie de discipliner ce côté-là de la Chambre. À l'ordre, s'il vous plaît. Je ne vais pas tolérer votre chahutage constant. La Première ministre, merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai confiance dans mon ministre de la Santé, j'ai confiance dans mon gouvernement et j'ai confiance dans mon groupe parlementaire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes en train de faire progresser cette province. Nous sommes en train de faire des investissements dans toute la province, dans les hôpitaux, les écoles, les transports en commun, les routes, les ponts de toute la province. Nous sommes en train de faire des investissements dans cette province qui vont permettre d'assurer un avenir florissant à cette province. Nous sommes en tête de file de ce pays. Nous avons une économie forte. Est-ce que j'ai confiance en mon gouvernement? Bien sûr que j'ai confiance en mon gouvernement. Absolument. Merci. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule, s'il vous plaît. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, ceci s'adresse à la Première ministre. Bien sûr, les patients, les infirmières et les médecins sont très, très déçus que vous choisissiez de continuer de soutenir ce ministre. Je me suis rendue à l'hôpital Scarborough hier. Arrêtez la pendule. Je vais commencer à vous avertir. Le député de Beaches East York, je commence par vous. Et ceci ne m'aide pas du tout dans mon travail. Merci. Et ceci vaut pour tout le monde. Je vais tous vous avertir individuellement si cela continue. Terminez, s'il vous plaît. Donc, je me suis rendue à l'hôpital de Scarborough et je me suis bien rendu compte des effets néfastes des compressions auxquelles se livrent ces libéraux. Et l'ancien député libéral Bass Parkinson a très bien dit que la situation à cet hôpital n'était pas de nature à répondre aux besoins des patients. Alors, le problème, c'est que le gouvernement ne fait que financer des études à répétition au lieu d'investir dans les immobilisations dont ont besoin ces hôpitaux. Est-ce que vous allez enfin donner à cet hôpital le soutien dont il a besoin? Réponse. Bon, je sais que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée va vouloir faire quelques commentaires au sujet de cet hôpital en particulier, mais je pense qu'il faut absolument garder à l'esprit qu'il s'agit ici du chef d'un parti qui a voté à répétition contre les investissements que nous voulions effectuer dans le système de soins de santé. $1 milliard prévu à notre budget. Le chef de l'opposition a voté contre $354 millions supplémentaires pour les hôpitaux, $12 millions consacrés à la construction et à la rénovation d'hôpitaux dans toute la province, $50 millions, Monsieur le Président.
en frais d'entretien et de rénovation de ces hôpitaux. C'est ce que nous nous sommes engagés à dépenser. Et le député d'en face, le chef de l'opposition, a voté contre notre budget. Ils ont voté contre toutes ces mesures. Alors c'est un peu fort que de l'entendre nous critiquer. Rasseyez-vous, s'il vous plaît, rasseyez-vous. Merci. Complémentaire final. Monsieur le Président, ceci s'adresse encore une fois à la Première ministre. Je suis tout à fait fière de m'être opposée à un budget qui avait pour but de licencier 1400 infirmières. Je suis tout à fait opposée à un budget qui retire 800 millions de dollars en honoraires de médecins. Mais revenons à cet hôpital de Scarborough. C'est un hôpital qui a été créé en 1956. Et malheureusement, le personnel infirmier m'a dit que cet hôpital était d'une taille bien insuffisante, en fait, de moitié inférieure à ce qu'elle devrait être. Et des patients doivent, à l'heure actuelle, être traités dans les couloirs, ce qui est absolument inacceptable. Il y a 7 ans, la province a demandé une étude qui a conclu qu'il fallait absolument rénover cet hôpital. Et c'est un hôpital qui, malheureusement, ne se conforme pas aux normes de médecine actuelles. Est-ce que vous allez enfin respecter les gens de Scarborough en soutenant cet hôpital et lui attribuant des fonds que votre propre étude démontre qu'il faut lui attribuer? Rasseyez-vous, s'il vous plaît, rasseyez-vous. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, à l'ordre. La Première ministre, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, je suis tellement heureux d'entendre l'opposition officielle s'intéresser à Scarborough, enfin, parce que ces dernières années, je ne me rappelle pas d'avoir entendu la moindre question là-dessus. C'est intéressant qu'ils choisissent de poser cette question maintenant. Je me suis rendue moi-même à Scarborough. Et je peux vous dire que je me suis rendue à Scarborough et que j'ai annoncé, en collaboration avec tous les députés et représentants locaux, justement, une subvention à hauteur de 19 millions de dollars pour l'imagerie diagnostique, 5 millions de dollars en subvention de planification pour les hôpitaux locaux, 4,5 millions de dollars supplémentaires en fonds de fonctionnement et 3 millions de dollars supplémentaires pour un autre hôpital local, Monsieur le Président. Rasseyez-vous, s'il vous plaît, rasseyez-vous. Merci. Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, à l'ordre, s'il vous plaît. Nouvelle question. Chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Il y a quelques semaines, le Globe and Mail a écrit un plan d'action, un plan d'action en matière de changement climatique de 57 pages. C'est un sérieux manque de confiance et grâce au Globe and Mail, nous savons que la Première ministre ne fait même pas confiance à son propre Conseil des ministres. Est-ce que la Première ministre sait quel ministre est sorti du Conseil des ministres avec ce document confidentiel? La Première ministre, je crois que le chef de l'opposition, tout comme son ancien collègue dans le parti Wild Rose en Alberta, ne veut pas vraiment de changement climatique. Il ne veut pas parler de la réalité, qu'il faut s'attaquer à cet enjeu de plein fouet, qu'il faut amener du changement. Nous devons nous attaquer à cet enjeu parce que nous avons la responsabilité, non seulement pour le Canada, mais pour le monde, d'amener des changements, que ce soit pour le plafonnement et échange, afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et nous voulons aider Canada à atteindre ses objectifs sur le plan mondial. Complémentaire.
Monsieur le Président, encore une fois, la Première ministre, ma question, en fait, concernait une fuite de documents du Conseil des ministres. Mais je vais reposer ma question. Selon le Globe and Mail, la Première ministre croit que certains ministres ne font pas le travail. Et en fait, je suis d'accord avec elle. J'aimerais donc qu'elle nous dise exactement qui ne fait pas son travail. Est-ce que c'est la ministre des services à la jeunesse et à l'enfance qui a retiré la thérapie ICI pour les enfants d'autistes de plus de 6 ans? Est-ce que c'est le ministre de la Santé qui renvoie des infirmières? Est-ce que c'est le ministre des services communautaires qui a gaspillé 9 millions de dollars sur un système informatique qui ne fonctionne pas? Est-ce que la Première ministre peut nous dire exactement quel ministre ne fait pas le travail? Et encore plus important, lequel d'entre eux a publié illégalement le document du Conseil des ministres? Intervention du Président. Député d'Eglinton-Lawrence, revenez à l'ordre. Député d'Eglinton-Lawrence, deuxième fois. La Première ministre, merci, Monsieur le Président. Et encore une fois, je dirais au chef de l'opposition que je comprends, en effet, pourquoi il voudrait s'abaisser à des attaques divisives parce qu'il ne peut s'attaquer aux défis que représente le changement climatique. Député de Prince Edward Hastings. J'ai été clair comme du cristal, Monsieur le Président, que nous, de ce côté de la Chambre, nous le voyons comme étant notre responsabilité de s'attaquer à cet enjeu qui est l'enjeu le plus important auquel fait face l'humanité. Nous avons la meilleure, plus grande initiative en Amérique du Nord avec notre plan. Nous voulons une initiative qui mène le monde et le pays dans l'innovation et la technologie afin de s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre de cette planète. Complémentaire final. Monsieur le Président, la Première ministre, de nouveau, les commentaires personnels et qui divisent ont été faits par le Globe and Mail envers vous. Les sources libérales ont dit au Globe and Mail que la Première ministre croit que des membres du Conseil des ministres qui sont ministres de longue date ne font pas leur travail. Et encore une fois, je suis d'accord avec la Première ministre. Regardez la ministre de l'Éducation et ses millions de dollars qui ont payé en pizza pour les syndicats. Ou le ministre de l'Énergie qui nous a dit que le scandale des centrales au gaz coûterait une tasse de café. Le ministre de l'Environnement qui nous a dit qu'ils allaient abandonner l'énergie nucléaire et au gaz naturel. Quelqu'un dans ce Conseil des ministres a divulgué ce plan ridicule et, Monsieur le Président, plutôt que de contrôler, que d'envoyer ces ministres et de les utiliser comme bouc émissaire, est-ce qu'il va nous dire qui a divulgué ces documents et est-ce qu'il va vraiment bannir le gaz naturel? Député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, c'est la deuxième fois que je vous avertis. La Première ministre, Monsieur le Président, les commentaires qui me sont attribués sur mon équipe sont faux. J'ai été claire lorsque j'étais en Alberta que nous n'avons absolument pas l'intention d'interdire le gaz naturel. Et voici ce que nous allons faire avec ce que nous faisons. Nous allons nous assurer que les autobus sont propres et que nous sommes des chefs de file dans la lutte contre le changement climatique, quelque chose que le parti de l'opposition ne refuse de faire. Merci. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. La Première ministre n'a pas fait campagne sur un programme pour vendre Hydro One. En fait, elle a pris la parole ici en Chambre et a dit
de sa propre bouche qu'Hydro-One n'était pas à vendre. Et elle a promis qu'elle serait ouverte et transparente. 80% de la population ontarienne veut conserver Hydro-One en main publique et des centaines d'entreprises font la même chose. Aucune Ontarienne n'a voté en faveur de la vente d'Hydro-One. Mais aujourd'hui, pour la première fois, toute première fois dans l'histoire de notre province, des rencontres de partenaires privés, d'actionnaires privés se produisent parce que cette province, cette première ministre, a rompu sa promesse. Est-ce qu'elle va mettre fin à la vente d'Hydro-One? Intervention du président, asseyez-vous, s'il vous plaît. La première ministre. Merci, Monsieur le Président. Je sais que la chef du troisième parti sait très bien que j'ai fait campagne sur un programme qui était créé pour investir dans l'infrastructure. Est-ce que ça signifie, Monsieur le Président, c'est qu'il faut construire l'infrastructure en transport en commun, les routes? Et nous avons parlé d'actifs. Nous avons parlé d'actifs qui pourraient produire un revenu afin de nous permettre de faire ces investissements, Monsieur le Président. La chef du troisième parti a été claire à cet effet parce qu'elle s'y est opposée dès le départ. Elle était contre l'investissement en transport en commun, contre l'investissement dans les autoroutes du Nord. Elle était contre ces investissements dans les hôpitaux et les écoles partout dans la province, Monsieur le Président, parce qu'elle était fondamentalement opposée à l'infrastructure qui est nécessaire. Voilà le programme électoral sur lequel nous avons fait campagne, et c'était la vérité. Complémentaire. Ce que j'oppose fondamentalement, c'est une première ministre qui ne dit pas la vérité à la population de cette province. Je retire mes propos, Monsieur le Président. Je demande à la députée de retirer ses propos. Elle ne peut pas le dire de façon directe. J'ai retiré mes propos et je les retire, Monsieur le Président. Je suis fondamentalement opposée à un gouvernement qui refuse de dire à la province son intention de vendre un actif qui est la propriété de la population. Et je suis aussi fondamentalement opposée, Monsieur le Président, à une première ministre qui ne porte pas son attention sur ce que dit le directeur de la redevabilité financière, c'est-à-dire que c'est la moins bonne façon de financer l'infrastructure en vendant l'infrastructure essentielle et nos actifs qui sont essentiels pour le revenu. Ma question, c'est pourquoi est-ce que la première ministre ne se tient pas debout pour la population de cette province? Intervention du président. La première ministre au ministre des Finances. Monsieur le Président, nous avons été clairs depuis le début. Nous allons optimiser la valeur des actifs de l'Ontario afin de recréer de la valeur, d'investir dans de nouveaux actifs et d'avoir un meilleur rendement. C'est exactement ce qui se produit. En fait, nous avons maintenant une société qui est plus centrée sur les consommateurs, qui investit mieux et qui a un meilleur rendement pour les actionnaires. On parle de milliers de dollars qui sont nécessaires. Intervention du président. Député d'Hamilton East Stoney Creek, vous êtes averti pour la deuxième fois. Le ministre. Nous avons maintenant des milliers de dollars qui sont essentiels pour investir en infrastructure, de l'infrastructure qui a été opposée par les députés de l'autre côté. Et en fait, nous avons ici un système qui fonctionne mieux. Complémentaire final, Monsieur le Président, la vente d'Hydro-One fera augmenter les tarifs en flèche. La privatisation d'Hydro-One fera en sorte que nous allons continuer à vendre les actifs. Ça a été commencé par Mike Harris. C'est mauvais pour l'entreprise, c'est mauvais pour l'Ontario et c'est mauvais pour le bilan ontarien, selon le directeur de la redevabilité financière. Le directeur dit que ça nous coûtera de l'argent, en fait, de vendre ça. Ça signifie un plus grand déficit et moins d'argent pour le transport en commun et l'infrastructure. Les preuves sont claires. Les déclarations libérales ne sont pas fondées sur la réalité. Ce n'est rien de
plus qu'une version du Parti libéral. Est-ce que la première ministre va arrêter de vendre Hydro One avant qu'il ne soit trop tard? Intervention du Président, le ministre des Finances. Monsieur le Président, si on parle de version, la députée sait très bien que la Commission de l'énergie de l'Ontario établira des tarifs qui doivent être respectés. Il faut minimiser les risques et nous avons maintenu la majorité des actions d'Hydro One dans une entreprise qui est améliorée. Les marchés ont montré, selon le processus de vente de Hydro One, que nous voyons ici une meilleure valeur et un meilleur rendement. Personne ne peut avoir plus de 10 % des actions d'Hydro One. Et la majorité de la province, la majorité de la société est toujours entre mains de détaillants qui sont ontariens et qui sont situés dans la province de l'Ontario. C'est bon pour notre infrastructure et c'est bon pour notre économie, Monsieur le Président. Nouvelle question, le chef du troisième parti. Encore une fois, la première ministre, mais je dois dire que notre priorité, c'est la population, pas le marché. Voilà ce qui devrait être important. Les Ontariens veulent savoir que... Intervention du Président. À l'ordre, s'il vous plaît. Continuez. Merci, Monsieur le Président. Les Ontariens veulent savoir que lorsque leurs êtres chers ont besoin de soins, que leurs hôpitaux soient sécuritaires et bien réparés. Le bilan montre que beaucoup d'hôpitaux nécessitent des rénovations et que cela représente 3,2 milliards de dollars en retard de rénovation. Le gouvernement n'a pas divulgué exactement quel hôpital doit être rénové. Est-ce que la première ministre sera ouverte et transparente et montrera un peu de respect aux Ontariens et divulguera l'information au ministre de la Santé et des Soins de longue durée? Monsieur le Président, je sais ce que suggère la chef du troisième parti. Elle veut révéler en avance de tout processus d'appel d'offres quels hôpitaux et ce que doivent être rénovés, ce que pense le gouvernement pour en fait de rénovation. Ça donnerait un avantage aux entrepreneurs qui soumettent un appel d'offres. Il est important de noter que lorsque l'on regarde les rénovations retardées, ça ne représente pas seulement le total de toutes les rénovations nécessaires pour que les hôpitaux soient en mesure de donner des services de qualité. Ça représente le montant d'argent pour rénover tous les hôpitaux de l'Ontario pour qu'ils reprennent leur valeur maximale lorsqu'ils ont ouvert leurs portes. Complémentaire. Ça n'a rien à voir avec les entrepreneurs. On parle ici du droit de la population de savoir ce qui se passe dans leurs hôpitaux locaux. Hier, le ministère de la Santé a dit aux journalistes que les rénovations incluaient les hôpitaux qui étaient complètement nouveaux. Certains hôpitaux pourraient être remplacés, mais évidemment, le gouvernement ne divulgue pas le nom de ces hôpitaux. Et donc, les libéraux demandent aux Ontariens de simplement les croire sur parole. On sait qu'il y a un hôpital qui nécessite 200 millions de dollars en investissement. On ne sait pas si c'est évalué sur 3 ans, 2 ans. Et le gouvernement s'attend à ce que la population les croit sur parole. Montrons à la population le respect qu'elle mérite et donnez-nous la liste entière. Le ministre, je sais que la chef du troisième parti veut déranger et détruire le processus concurrentiel. Ce serait complètement inapproprié, par exemple, pour un nouvel hôpital, de fournir une estimation en dollars de ce qui doit être utilisé comme montant d'argent pour être rénové ou construit. Je suis fière du bilan de ce gouvernement. Dans nos investissements dans le passé, nous avons 35 nouveaux projets hospitaliers qui sont en cours. Alors que nous parlons, nous investissons 12 millions de dollars dans les 12 milliards de dollars sur 10 ans, spécifiquement pour l'entretien
Et c'est exactement le meilleur exemple, c'est votre maison. Qu'est-ce que ça compte? Qu'est-ce que ça coûte pour rénover votre maison pour qu'elle soit à l'état neuf? Complémentaire final. Monsieur le Président, 3,2 milliards de dollars sont nécessaires pour que doit être investi pour que nos hôpitaux soient sécuritaires et ne s'effondrent pas. C'est ce qui a été dit dans la demande d'accès à l'information que nous avons fait auprès du ministère. Selon la vérificatrice générale, l'Ontario, à chaque année, prend un retard en ce qui concerne les investissements en rénovation. En fait, la vérificatrice a dit, je cite, « Au cours des 5 dernières années, les hôpitaux ont dépensé 45 millions de dollars de leur coût de fonctionnement qui devrait être investi dans les soins aux patients, sur le capital et autres besoins de financement. » Et ça se produit alors que les libéraux amène un gel sur les budgets de fonctionnement des hôpitaux, et ce, pour la quatrième année de suite. Quand est-ce que la première ministre et ce ministre arrêteront de se plier à leur version et investiront dans les rénovations aux hôpitaux? Le ministre. C'est précisément en réponse à ce que nous avons lu dans le rapport de la vérificatrice générale que nous avons décidé d'amener un plus grand financement dans le budget. Je ne sais pas exactement ce que la chef du troisième parti veut dire et pourquoi les néo-démocrates ont décidé de ne pas appuyer le budget alors que l'on investit 12 milliards de dollars. Nous avons passé d'un financement de 50 millions de dollars à 100 millions de dollars pour les rénovations par année. Nous avons répondu au rapport de la vérificatrice générale. Nous avons répondu aux besoins qui ont été identifiés. Et ce, dans tous les hôpitaux, partout en Ontario. Je crois que la députée ne comprend pas ce qu'est les rénovations retardées, c'est-à-dire que c'est une planification pour faire la rénovation, et c'est exactement ce que nous faisons. Nouvelle question, député de Nipissing. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Ce matin, le directeur de la responsabilité financière a confirmé ce que nous savions déjà. Ce gouvernement n'est ni ouvert ni transparent. Et il a dit, je cite, qu'il est très décevant que plutôt que d'essayer d'optimiser la divulgation d'informations, ce gouvernement la restreint. Et cela empêche la capacité des députés de faire leur travail et de tenir ce gouvernement redevable. Nous ne voyons, ça se produit selon la loi depuis 2012, après les audiences des centrales au gaz, qui a retiré le fait que nous avons retiré la supervision du directeur de la responsabilité financière d'Hydro One, il y a de moins en moins de transparence. Entre les enquêtes criminelles et les divulgations d'informations du Conseil des ministres, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de ce gouvernement? La Première ministre, laissez-moi parler du directeur de la responsabilité financière. Nous le respectons, évidemment. Le député le sait. Intervention du président. Veuillez terminer. Monsieur le Président, les ministères travaillent de près avec le directeur de la responsabilité financière et les partis de l'opposition le savent. Ça a été reconnu au cours du Parlement minoritaire. Nous avons travaillé avec eux pour établir le directeur. Et la loi et le bureau de la redevabilité financière ont été modelés selon le directeur du budget parlementaire au fédéral, Monsieur le Président. Nous avons ici ce bureau qui est modelé sur le bureau au fédéral, et c'est le travail que nous avons fait ensemble. Member from Leeds Granville, second. Le député de Reeds-Lambert, deuxième fois. Bon, Monsieur le Président, l'IFA nous a dit qu'il y avait un schéma plus vaste de refus de l'information. On a aussi dit que le gouvernement, que ce mur a rendu difficile d'évaluer la probabilité des prévisions budgétaires du gouvernement et d'évaluer les risques que ces prévisions portent. On n'a pas confiance en ces chiffres. Le gouvernement, on dit, retient les documents et
je crois que c'est donc une orientation politique. C'est incroyable d'entendre dans les coulisses, à des murs d'information, ce gouvernement ne se préoccupe que du Parti libéral. Est-ce que ce schéma d'obstruction va-t-il finalement se terminer et le gouvernement va-t-il donner au bureau de la relevabilité l'occasion de faire son travail? Monsieur le Président, je répète que nous travaillons de très près avec le bureau de la relevabilité. Thank you. Minister. Monsieur le ministre, merci. Alors, nous respectons que le bureau de la relevabilité financière fait. Et nous voulons mettre de l'avant des occasions d'être plus progressifs à cet égard et de plus. Nous allons citer une directive à l'échelle du gouvernement dans son ensemble de donner l'information de manière opportune. Les demandes d'information au bureau de la redevabilité sont donc accueillies par des du personnel non partisan et qui répondent de la même manière à tous ceux qui posent des questions et qui font des demandes. Et nous travaillons de manière collaborative avec le bureau de la redevabilité financière et c'est ce que nous allons faire. Nouvelle question, député de Kitchener-Waterloo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. L'NPD a lutté dur pour veiller à ce qu'il y ait un bureau de la redevabilité financière ici. Nous croyons à une surveillance indépendante. Personne ne s'attendait à la Première ministre, au gouvernement libéral, de nier au bureau de la redevabilité l'information dont il a besoin pour faire son travail. Ce matin, le directeur du bureau a dit qu'il était hautement décevant qu'au lieu de maximiser l'information offerte aux députés et à tous les Ontariens, le gouvernement met l'accent sur comment il peut restreindre la divulgation de l'information. Pourquoi est-ce que le Premier ministre tente de miner encore une fois un autre agent de surveillance indépendant? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, nous valorisons le travail du Bureau de la redevabilité financière. Nous travaillons de près avec ce bureau. Nous reconnaissons la nécessité d'offrir de l'information de manière opportune. Nous reconnaissons cependant aussi la responsabilité que nous avons quant aux exigences de respect de la confidentialité des documents. L'opposition le sait et s'il ne le sait pas, elle devrait le savoir. Nous devons continuer à travailler député de Renfrew-Nipissing. Député de Renfrew-Nipissing, vous êtes averti. Deux fois maintenant. Alors, nous allons continuer à travailler avec ce bureau comme nous l'avons toujours fait. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, les libéraux ont tenté de miner le bureau donc de l'Ombudsman, le bureau maintenant de la redevabilité financière, pour l'empêcher d'évaluer les incidences financières des décisions de ce gouvernement. Il y a un schéma ici. Ce gouvernement a un problème quant à la transparence, la redevabilité et l'ouverture. Comme l'agent, le directeur du bureau de la redevabilité financière a dit ce matin, ils disent qu'ils sont un gouvernement ouvert. Moi, j'ai répondu, je veux voir les données qui le prouvent. Ce gouvernement parle beaucoup d'ouverture et de transparence. La Première ministre sera-t-elle ouverte avec le bureau de la redevabilité financière ouvert et transparent et non partisan ou va-t-elle continuer à appliquer son mur? Asseyez-vous. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, nous continuerons de travailler avec le directeur du bureau. Je travaille avec lui de manière continue. Hier, je l'ai rencontré, car nous reconnaissons à quel point son travail est important. Et il faut respecter l'ensemble des règles, cependant. Mais récemment,
le directeur a dit « Je respecte les exigences de la confidentialité du Conseil des ministres. Nous avons besoin d'un certain niveau de confidentialité quand nous travaillons à certains enjeux. » Nous reconnaissons cependant que ce bureau, ainsi que le bureau du vérificateur général, a besoin d'informations. Lorsque cette information est disponible, au bon moment, nous allons rendre l'information disponible dans tous les ministères, partout, pour veiller à ce que les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui sont les membres non partisans de ce gouvernement et qui travaillent justement avec le bureau de la redevabilité afin qu'on ait l'information nécessaire et que ce soit approuvé et appuyé par tous les députés. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones. Hier, j'étais fière d'être dans cette salle et d'entendre la première ministre faire ses excuses quant au chapitre bien triste de notre histoire et son incidence sur les peuples autochtones en Ontario. La première ministre a fait donc des excuses bien ressenties dans l'esprit de réconciliation, donc cheminement ensemble, plan d'action vers la réconciliation avec les peuples autochtones. La ministre peut-elle nous en dire davantage sur ce plan d'action et nous expliquer pourquoi c'est si important pour nos relations avec les peuples autochtones de l'Ontario. Monsieur le Président, je remercie la députée de cette question très importante. Depuis l'apparition du rapport final de la Commission Vérité et Réconciliation en décembre passé, le ministère des Affaires autochtones travaille avec tous les autres ministères pour préparer la réponse de l'Ontario à ce document. C'est le rôle du gouvernement de répondre. Nous agissons en vertu des recommandations. C'est une priorité pour ce gouvernement. Je suis heureux de répéter cet engagement avec l'annonce hier de ce document, donc le cheminement ensemble. C'est un autre point sur le chemin de la réconciliation, mais ce n'est pas le seul. Il y a bien encore à faire avec nos partenaires autochtones et avec tous les Ontariens pour apporter des changements significatifs et pour faire de la réconciliation une réalité. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Il est merveilleux d'entendre dire que le gouvernement sera à la hauteur des engagements pour corriger le tir suite au pensionnat et vers une réconciliation. Je sais que d'agir en vertu des recommandations faites par la Commission Vérité et Réconciliation, c'est une priorité pour le gouvernement de l'Ontario et que nous sommes engagés à atteindre une véritable réconciliation. Je sais que le plan d'action a comme assise les premières étapes établies par le gouvernement pour viser des avantages communs et des bienfaits. Et je voudrais savoir comment cela va affecter la vie des personnes autochtones en Ontario. Monsieur le Président, l'engagement de l'Ontario envers la réconciliation avec les peuples autochtones vise à améliorer les conditions économiques, sociales et psychologiques en se basant sur cinq thèmes. D'abord, comprendre les pensionnats autochtones. Ensuite, créer un système de justice donc réceptif, appuyer la culture autochtone, réconcilier et rétablir les relations avec les peuples autochtones. Nous voulons investir 250 millions de dollars au cours des trois prochaines années dans des programmes et des mesures guidées par ces thèmes qui répondent en fait aux 94 recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation. Nous voulons travailler de pair avec le gouvernement fédéral pour atteindre des changements importants pour les peuples autochtones. Ça fait longtemps que c'est dû. Bon. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la première ministre. Notre province est diversifiée et ça nous rend plus forts. La liberté de religion est une liberté essentielle. Dans le sikhisme, le turban est un point essentiel à l'identité. Maintenant, on demande donc une exemption quant au casque pour les
cyclistes et les motards qui souhaitent donc utiliser leurs appareils. Est-ce qu'on va faire de même comme la Colombie-Britannique? Monsieur le Président, nous reconnaissons le droit fondamental de préserver les droits des diverses religions. Nous devons établir donc un équilibre entre ces droits et la sécurité publique. Nous sommes fiers de notre dossier en sécurité publique en Ontario. Nous avons les routes les plus sécuritaires en Amérique du Nord, Monsieur le Président. En Ontario, nous savons que les cyclistes et les motards sans casque ont un risque de 17% accru d'avoir des blessures graves si un accident devait se produire. Je n'ai jamais dit que c'est quelque chose que nous allions faire. J'ai dit que nous allions examiner, que nous allions rechercher la chose et rechercher les éléments probants. Et voilà, 17% de plus de décès et de blessures graves. Monsieur le Président, encore une fois, la Première ministre, il faut défendre la liberté de religion. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait seulement avant une élection. C'est quelque chose que l'on doit faire tous les jours, au quotidien. Les citoyens, certains d'entre eux étant présents aujourd'hui, se sentent donc leurrés par la Première ministre qui ne respecte pas ses promesses. Ce n'est pas seulement elle, c'est tous les membres de votre caucus à Peel. Est-ce que vous allez être à la hauteur de vos promesses, les promesses que vos députés ont faites? Allez-vous faire ce qu'il faut et appuyer le député de Prince Edward Hastings et son projet de loi pour amender le code de la route afin d'accommoder les membres de la foi sikh? J'ai vraiment jonglé avec cet enjeu lorsque j'étais ministre des Transports et je jongle avec cet enjeu tout de suite pour tenter de cerner la chose. Je comprends la politiquerie du ministère du chef de l'opposition, mais je n'ai jamais dit que j'allais. Je n'ai jamais dit que nous allions agir de cette manière. Monsieur le Président, nous savons que le port du casque veut dire que les taux de blessures sont à la baisse de 75 %, Monsieur le Président. Je ne pourrais pas parler dans les yeux d'une femme dont le fils a été tué en raison d'un accident de la route sans porter le casque. Monsieur le Président, je ne le ferai pas. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. À l'ordre. Nouvelle question. Député de Kenora-Rainy-Verve. Merci, M. le Président. À la Première ministre, en avril, Rhea Cooper-Bennett, une jeune fille de 14 ans, membre de la Nation Gatineau-Rouge, a été trouvée morte deux jours après qu'elle ait quitté l'hôpital. Nous ne savons pas ce qui s'est passé avec Israël. Pourquoi la police l'a-t-elle laissée là? Pourquoi s'est-elle enfuie? Nous savons de la part de son père, qu'Ezrea avait besoin d'aide. Elle était prise dans un système de bien-être de l'enfance. Elle était donc portée disparue de l'hôpital où elle devait être. Est-ce que la Première ministre va apporter donc une certaine paix à la Première Nation et répondre à leur demande d'enquête? Merci, Monsieur le Président. Je souhaite remercier la députée de cette question importante. Lorsqu'un enfant dans le système de bien-être est touché de cette manière profonde, nous sommes tous préoccupés, extrêmement préoccupés. Nous savons qu'il y a encore du travail à faire dans le système d'aide sociale et d'aide à l'enfance. Nous travaillons avec nos partenaires autochtones pour appuyer cela et pour appuyer des réponses et des services culturellement pertinents à ces communautés. Et tout à fait honnêtement, Monsieur le Président, dans l'ensemble du système également, pour veiller à ce que les enfants soient à l'avant-plan de nos agissements et qu'ils soient vraiment
à l'avant-plan donc de nos préoccupations et nous voulons travailler avec ces communautés, les communautés autochtones et les peuples autochtones pour y arriver. Monsieur le Président, ces services n'existent pas, n'existent pas à Kenora ou les familles, où on dit aux familles qu'elles doivent voyager 500 km à Thunder Bay pour avoir accès à certains de ces services de base pour la santé mentale des jeunes. Lors de la commission Vérité et réconciliation, le gouvernement a reconnu le besoin d'écouter, d'être modeste et de reconnaître l'importance de nos relations avec les Premières Nations. Mais il faut faire davantage que reconnaître, il faut agir. Cette crise de santé mentale pour les Premières Nations est extrêmement importante, particulièrement chez les jeunes. Une enquête du coroner est exigée. Quelle réponse la première ministre donnera-t-elle à la famille d'Israël et à la communauté de Grassy Narrows qui vacille déjà suite aux incidences de cette tragédie? Merci, Monsieur le Président. Oui, en fait, hier a représenté une journée forte importante. Une troisième table ronde a été tenue avec moi et nos les homologues Métis Onois et les centres d'amitié familiale pour développer davantage de travail sur notre stratégie de la jeunesse et de l'enfance pour veiller à avoir les bons appuis de santé mentale pour les jeunes autochtones du point de vue de la prévention ainsi que du point de vue du soin. Nous avons annoncé un financement supplémentaire pour appuyer les stratégies de santé mentale et de toxicomanie. Nous reconnaissons qu'il faut toujours des appuis accrus et nous avons accru donc le financement des travailleurs sociaux en toxicomanie et santé mentale de 3 millions de dollars. Donc, et je suis prête à parler davantage. Ma question s'adresse à la procureure générale. Nous voulons donc cesser la pauvreté chronique d'ici 10 ans. Nous voulons aussi cibler l'itinérance chez les jeunes. Nous savons que les jeunes LGBT donc vivent une itinérance bien accrue par rapport aux autres. Ces statistiques reflètent l'effet de l'homophobie et la transphobie pour nos jeunes qui font face au harcèlement dans leurs écoles, dans leurs familles et dans les autres communautés. Ils sont rejetés en raison de leur identité sexuelle intégrale à leur être même. Qu'est-ce que ce gouvernement fait pour appuyer les jeunes LGBT en Ontario, s'il vous plaît? Procureur général, thank you. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier donc la députée de cette question importante. Tous les jeunes ont besoin d'adultes qui les appuient lorsqu'ils se développent. Nous avons mis au point un programme de rayonnement, un centre donc d'écoute et d'aide aux jeunes LGBT. Nous allons offrir 1,5 million de dollars à ce centre de crise et cette ligne d'écoute qui donne aux jeunes qui sont à risque, donc des services essentiels. Trop souvent, les jeunes de nos communautés évitent de demander de l'aide en raison de l'homophobie, de la transphobie et d'autres discriminations. Il faut leur offrir un endroit accessible, accueillant, compréhensif, ce qui peut faire une différence profonde dans leur vie. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier la ministre de sa réponse et de son attention, de son engagement à cet enjeu fort important. Nous savons que ce centre d'appui, cette ligne d'appui de crise pour les jeunes LGBT pourront faire donc une différence importante dans la vie. Mercredi, la première ministre sera de la partie lorsqu'on montera le drapeau de la fierté gay à Queen's Park.
on a fait bien du chemin depuis donc une vingtaine d'années, mais il nous reste encore du chemin à faire. Par exemple, la loi actuelle en Ontario sur ce qui peut former une famille est désuète, car cela ne représente pas la réalité actuelle. Madame la ministre, pourrez-vous nous expliquer ce que vous faites pour que l'Ontario reflète donc l'accueil et l'acceptation de toutes les familles? Monsieur le Président, d'abord, je remercie la députée de Parkdale-High Park d'avoir présenté un projet de loi de député privé qui mettrait à jour notre législation. Ce matin, elle m'a demandé de présenter donc un projet de loi en septembre qui, s'il est adopté, veillerait à ce que tous les parents reconnaissent ou soient reconnus clairement en Ontario qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels et que leurs enfants aient été conçus ou non avec assistance. La première ministre m'a demandé de travailler avec la députée de Parkdale-High Park et les intervenants pour travailler sur et avec la conférence sur l'uniformité en droit au Canada afin donc d'avoir de bonnes assises pour bâtir et développer donc un tel programme qui a déjà été réalisé en Colombie-Britannique et en Alberta. Monsieur le Président, nous aimerions voir un changement de définition en Ontario d'ici la fin de cette année. Ma question s'adresse à la ministre des Enfants et de la Jeunesse. Laissez-moi vous parler de Chelsea et de son enfant Charlie. Charlie, en mai, on lui a annoncé que son traitement IBI allait être donc terminé en septembre. Mais Charlie n'est pas prêt pour aller à l'école. Il n'a pas atteint la moitié de ses objectifs en développement. Et on s'attend à ce qu'il participe à l'école en septembre sans les outils dont il a besoin pour réussir. On l'apprête pour l'échec. Ce n'est pas juste. Va-t-elle donc abroger cette décision? Va-t-elle permettre aux jeunes comme Charlie d'avoir donc une thérapie IVI afin que ceux-ci puissent obtenir, réussir dans leurs études? Merci, M. le Président. Je remercie la députée de cette question. Il est important de se rappeler que les jeunes qui reçoivent donc un traitement IVI en ce moment le recevront toujours jusqu'à leur prochaine évaluation. Il y a un mythe qui existe et on doit éclaircir les choses. Ces jeunes, après une évaluation clinique, ne sont pas automatiquement ne sont pas automatiquement hors du programme. Ça doit être établi par un clinicien, par un spécialiste. Traitements IVI et IVA sont en fait semblables. Il s'agit de l'intensité du service. Ils sont en fait identiques. Il s'agit d'une différence d'intensité. On passe à un système, Monsieur le Président, qui évite les choix extrêmes et nous bâtissons un modèle. Merci. Député de Dufferin-Caledon, à l'ordre. Monsieur le Président, c'est vexant. Le message n'est pas transmis. Ce n'est pas un mythe. Du courriel de Chelsea, mon fils Charlie, donc on lui a retiré son ICI après 6 mois. Il n'est pas prêt pour l'école. Il a attendu 2 ans pour lancer ce traitement ICI uniquement pour qu'on lui retire en septembre, sans transition, sans autre option de financement. Au nom des jeunes comme Charlie et des milliers de jeunes en Ontario qui souffrent de cette maladie, je m'élève et je demande à la ministre de renverser cette décision jusqu'à ce qu'elle ait donc mis au point une stratégie provinciale pour lutter contre l'autisme. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Madame la ministre. Monsieur le Président, mon engagement aux familles et à ces enfants est d'élaborer un plan personnalisé de soins réceptif à leurs besoins et à leurs circonstances en évolution. Les familles nous ont demandé cela, les fournisseurs de soins également. Les spécialistes, c'est ce qu'ils ont proposé. C'est pourquoi on agit, Monsieur le Président. Je suis heureuse de dire que nous travaillons de près avec
tous les intervenants quant à ce programme pour assurer une transition en douceur bien avant l'entrée du jeune dans le système scolaire. Et je suis heureuse de faire rapport, Monsieur le Président, que jusqu'ici, 434 familles ont rencontré leur fournisseur de services. Ça ne s'est pas produit en une semaine, Monsieur le Président. La moitié des familles ont donc tenu une réunion, d'autres deux. Nous surveillons la décision au cas par cas avec les familles. Nous dialoguons avec les familles. Merci. Député de Dufferin-Caledon, je vous avertis pour la deuxième fois. Député d'Hamilton Mountain, la deuxième fois. Député de Leeds-Granville aussi, je vous avertis. Nouvelle question. Député de Nickel Belt. Monsieur le Président, ma question est pour la Première ministre. Monsieur le Président, hier, la journée où nous avons présenté nos excuses aux peuples autochtones, elle a dit qu'elle n'avait pas la source et qu'elle n'avait pas lu le rapport sur l'empoisonnement de l'eau au mercure. Eh bien, c'est le groupe de travail du gouvernement qui a déposé ce rapport. Je ne sais pas pourquoi personne ne l'a lu, parce que ce rapport a été déposé en avril. C'est donc décevant d'entendre, en réponse au rapport hier, le ministre de l'Environnement dire, et je cite, que présentement, il n'y a aucune preuve qui suggère que les niveaux de mercure dans le système de rivières soient trop élevés et qu'une décontamination et qu'il y ait une raison de décontaminer la rivière. Qu'est-ce que dit la Première ministre à cet effet? La Première ministre, j'ai lu les recommandations de ce rapport, et de ces recommandations, il n'est pas clair exactement de ce que peut être la solution. Si la députée de l'autre côté regarde les recommandations, elle verra que la première recommandation commence par mettre en place une étude sur le terrain afin de déterminer s'il y a encore du mercure dans le système des rivières et de déterminer s'il faut soit faire du dragage ou prendre une différente action. Et je vais certainement parler avec le ministre de l'Environnement afin de voir cette recommandation sur une étude sur le terrain. Mais soyez assurés qu'il n'y a aucune direction claire par ce gouvernement. C'est un problème qui est sérieux, qui a été soulevé au cours des dernières années, mais il n'y a pas seulement une solution. Complémentaire. Le rapport dit que nous pouvons améliorer la situation en ajoutant un peu de glaise à la rivière, comme on a fait dans ma circonscription avec un problème similaire. C'est sécuritaire, c'est très peu, les coûts sont peu élevés et c'est efficace. Les Premières Nations voyagent en... Est-ce que les Premières Nations devront encore faire le voyage des 1 700 km pour demander le nettoyage de la rivière qui les empoisonne? Il y a un an, un chef a dû demander une rencontre avec le gouvernement et nous avons dû demander à une équipe du Japon de venir faire une étude. Ma requête est simple. Quand est-ce que la Première ministre nettoiera la pollution au mercure dans la rivière de Klélec? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. La Première ministre, Monsieur le Président, j'ai siégé parler les résidents qui ont été affectés par la situation d'autres dans la avec d'autres, j'ai eu une discussion qui a fait référence aux experts japonais sur cette maladie. J'ai entendu ces inquiétudes et j'ai aussi entendu les scientifiques qui ont une opinion différente de la façon dont cette eau peut être nettoyée et comment le mercure peut être retiré et nettoyé. Comme je l'ai dit, le rapport que j'ai maintenant vu et que j'ai lu suggère qu'il y a un besoin d'études sur le terrain afin d'évaluer les possibilités. Nous savons que la députée de l'autre côté peut prendre une solution. Ce sont des solutions partielles. Le rapport dit qu'il y a des
sections de la rivière qui doivent être réglées. Nous allons évaluer la situation et prendre une décision. Nouvelle question. Le député de Glengarry, Prescott Russell. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Cette question est de bon goût. Monsieur le Président, les températures d'été sont arrivées et c'est la saison du barbecue. Monsieur le Président, j'en ai l'eau à la bouche alors que je pense aux bons produits de partout dans la province qui seront grillés sur les barbecues, que ce soit le bœuf, les steaks. Nous allons utiliser des tomates et de l'Ontario ainsi que le ketchup French. Vous savez, le bétail en Ontario représente 9 milliards des ventes par année. Mais le bœuf d'autres provinces est vendu aussi dans nos épiceries et je veux savoir comment l'Ontario appuie leurs producteurs de bétail. Le ministre. Excellente question. Je veux remercier le député de Glengarry-Prescott Russell pour cette question qui a beaucoup de chair sur l'os. Rappelez-vous la publicité de Wendy qui dit « Où est le bœuf? » Eh bien, le bœuf sera ici à Queen's Park. Je vous encourage tous à sortir et manger le meilleur de l'Ontario. Comme le député l'a dit, le bœuf est très important pour l'Ontario. Ça représente des milliers d'emplois et 9 000 emplois dans la transformation. 7 jours par semaine, l'Ontario fait une exportation de 7 000 kg de bœuf pour 55 millions de dollars. Nous avons un excellent programme pour aider les agriculteurs et ceux qui produisent le bétail. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, je veux me concentrer sur un programme qui est unique en Ontario et je vais en parler plus tard. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de la réponse du ministre. C'est bien de savoir que le gouvernement s'assure que les producteurs de bétail en Ontario soient soutenus. En travaillant ensemble, l'Ontario peut appuyer l'industrie du bétail en Ontario, l'industrie bovine. Nous avons investi 1,53 million de dollars qui représente une production économique et nous avons une excellente garantie de ce programme. Donc, afin d'améliorer le programme, les producteurs bovins de l'Ontario ont demandé au gouvernement d'augmenter le programme de garantie de bétail. Est-ce que le ministre peut nous expliquer les améliorations qui sont faites à notre programme de prêt aux producteurs bovins? Monsieur le Président, je voudrais dire au député de Glengarry, Prescott Russell, que c'était vraiment une question qui pétille, qui grésille. Nous avons fait l'annonce dans la province de l'Ontario que nous allions doubler le nombre d'investissements de notre programme. Monsieur le Président, le programme passera de 130 millions de dollars à 260 millions de dollars. Ça doublera la limite individuelle pour chaque éleveur. Et les nouveaux éleveurs pourront aussi s'inclure dans cette industrie excitante. Nous amènerons de différents critères d'accès. Monsieur le Président, ce gouvernement est du côté des producteurs de l'Ontario. Député d'Elgin Middlesex-London, ma question s'adresse à la procureure générale. Telle qu'elle le sait, nous travaillons avec les municipalités et avec Jerry Cow ainsi que les députés et autres pour avoir un nouveau palais de justice à Elgin. Notre palais de justice est inadéquat pour la sécurité et la protection de la vie privée. Nous voulons avoir accès à la justice. Lorsque je l'ai soulevé en période de questions en mars 2015, la procureure générale nous a assuré que ce palais de justice était une priorité. C'est il y a 14 mois. Est-ce que la procureure générale peut nous mettre à jour sur le processus qui devrait être
en cours pour trouver un nouveau palais de justice et quelle proactive a-t-elle mis en place? J'aimerais remercier le député de sa question. Oui. Le palais de justice de Milton est en effet une priorité pour nous dans notre ministère et nous reconnaissons que le palais de justice de Milton a différentes lacunes. J'en entends parler de la députée de Burlington, du ministre des Finances, du ministre du Travail, député de Mississauga-Streaksville. Ils veulent tous une sécurité. C'est une priorité. Nous y travaillons. Mon ministère travaille déjà sur le palais de justice. Je l'ai visité moi-même. Je connais la situation. Et nous allons vous informer sur le progrès de ce dossier. Leader parlementaire sur un rappel au règlement. Je m'en voudrais de ne pas reconnaître trois invités très importants qui étaient ici avec nous. Je veux reconnaître Joyce Craggle, qui est une artiste et qui vit dans ma circonscription. Aussi, conseillère Kathleen McKinney, ainsi que sa fille Kenny qui était ici. Je vais dire que ce n'est pas un rappel au règlement. Et étant donné ce qui s'est passé hier, nous avons une période de temps pour présenter les gens. Ça deviendrait un problème si on continue à élargir le temps qui est utilisé. Et présentement, nous sommes en plein milieu d'une mise aux voix. Je veux donc que les députés s'assurent qu'il faut faire bouger les choses. Député de Prince Edward Hastings, rappel au règlement. Deux invités. Ce n'est pas un rappel au règlement. Et je vais insister sur ce point, mesdames et messieurs. Nous avons un vote différé sur l'avis de motion 74, tel que modifié en ce qui a trait aux procédures pour le projet de loi 201, loi pour modifier la loi sur les finances électorales et la loi sur l'imposition. Sonnerie 5 minutes.
les députés. Le 30 mai, M. Nagvi a proposé l'avis de motion numéro 74 qui se lisait comme suit, qui suffit. Tous ceux qui sont pour la motion, veuillez vous lever un à la fois pour être reconnu par le greffier. Madame Mayor. Mr. Souza. Ms. Wynn. Ms. Matthews. Mr. Hoskins. Ms. Sandals. Mr. Duguid. Ms. McCharles. Mr. Cole. Mr. Takar. Mr. Delaney. Mr. Delaney. Mr. Dillon. Mr. Orzetti. Mr. McMeekin. Mr. Chan. Mr. Moridi. Mr. Coteau. Mr. Leal. Mr. Leal. Mr. Flynn. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Madame Lalonde. Mr. Quadri. Ms. Albanese. Mr. Dixon. Ms. Manga. Mr. Kraft. Ms. Wong. Ms. Hunter. Mr. Sergio. Mr. Morrow. Ms. Jassen. Mr. Del Duca. Ms. Domerla. Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Ballard. Mr. Dong. Ms. Hogarth. Ms. Koala. Ms. Molly. Mrs. Martin. Mrs. McGarry. Mrs. McMahon. Ms. Naidu Harris. Mr. Potts. Mr. Rinaldi. Mr. Reneal. Ms. Reneal. Mr. Tebow. Mr. Wilson. Mr. Wilson. Mr. Arnott. Mr. Arnott. Mr. Hardiman. Mr. Hardiman. Ms. McLeod. Ms. McLeod. Ms. Jones. Ms. Jones. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Yakubuski. Mr. Yakubuski. Mr. Miller, Perry Sound, Muskoka. Mr. Miller, Perry Sound, Muskoka. Ms. Scott. Ms. Scott. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mrs. Monroe. Mrs. Monroe. Mr. Urich. Mr. Urich. Mr. Hudak. Mr. Hudak. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Harris. Mr. Harris. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Ms. Marteau. Ms. Marteau. Mr. Cole. Mr. Cole. Subisson. Mr. Singh. Mr. Singh. Ms. Horvath. Ms. Horvath. Mr. Vantal. Mr. Vantal. Mr. Tavins. Mr. Tavins. Mr. Miller, Hamilton East, Stoney Creek. Mr. Miller, Hamilton East, Stoney Creek. Ms. Taylor. Mr. Natashek. Ms. Armstrong. Madame Jolinas. Ms. Fife. Ms. Campbell. Mr. Montauk. Mr. Hatfield. Mr. Gretzky. Mr. Gates. Ms. French. Ms. Sattler. La motion est adoptée, telle qu'amendée. Il n'y a plus de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 15 heures.